bonjour, bienvenue sur ObjectifMoto.com. On vous a présenté il y a quelque temps ce Shoei GTR et on vous avait parlé notamment d'un intercom. Eh bien, cet intercom, il nous vient de chez Cardo. C'est le SHO1. Donc un intercom qui a la particularité d'avoir été développé en collaboration avec Shoei justement et Cardo. Les deux ont travaillé ensemble pour proposer un intercom qui s'intègre du mieux possible au casque. Effectivement, quand on regarde le casque, même comme ça, de profil, rien ne dépasse et pour cause, tout s'intègre ici sur le dessous. D'un côté, un module batterie, qui est détachable, on peut le recharger séparément ou on peut amener le casque complet près d'un ordinateur, voire une prise de 120, c'est aussi possible. Et du côté gauche, évidemment, un côté commande. Alors, on peut utiliser simplement les boutons qui sont ici en dessous. On y reviendra une fois qu'on vous aura présenté l'utilisation. Il y a aussi un contrôle vocal, donc une simple touche vous permet de donner certaines fonctions, comme par exemple allumer la radio, lancer un appel intercom. C'est des fonctions qui existent prédéfinies dans l'intercom. On peut avoir une communication avec 8 motards différents sur une distance maximale d'1,6 km. Ça permet déjà sur un petit groupe de pouvoir converser. On peut le relier à 2 GSM en même temps ou éventuellement avec un GPS ou un Coyote par exemple. On peut aussi brancher via un câble un lecteur MP3 pour avoir votre musique. Il y a une radio FM RDS à l'intérieur avec des stations que vous pouvez régler vous-même. Par exemple, en le branchant sur l'ordinateur, vous pouvez pré-régler vos stations préférées. Et évidemment, on n'est pas en voiture, donc il n'y a pas une grande antenne sur le dessus du casque. Donc la réception dépendra fortement de la qualité des ondes dans la région où vous vous trouvez. Certains moments, vous aurez une très très bonne réception et il n'y aura aucun souci. Dans d'autres, on aura un peu plus de grésillement. Donc si vous voulez absolument avoir un son nickel tout le temps, autant opter pour l'option MP3. On peut aussi avoir 4 interlocuteurs en full duplex. Un système click to link. Donc simplement, si vous croisez quelqu'un qui utilise le même système que vous, un simple appui, si la personne accepte le même système, vous pourrez directement converser avec elle. Pas besoin d'avoir un appairage spécial. Cardo a aussi prévu sur Internet une Cardo Community, donc un portail qui permet par exemple de retrouver d'autres utilisateurs de systèmes dans votre région. Voilà, donc ici il est fonctionnel. On va aller l'essayer sur la route, voir un petit peu justement ce que ça donne, si on peut se comprendre, si on peut téléphoner, ce que donne effectivement la radio. Voilà, on va aller sur la route, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, on est parti. Ici, c'était l'aube de l'essai de la Yamaha MT-09 Tracer. Et comme vous pouvez le voir, le gros avantage d'un intercom intégré comme ce Cardo SHO1, c'est que forcément rien ne dépasse, donc pas de prise au vent, pas de bruit supplémentaire et pas de déséquilibre du casque. Une communication très claire sur le GSM. Reste bien entendu à avoir l'habitude des commandes. Bon, de ce côté-là, il y a la batterie, ça ne dérange pas. De l'autre côté, avec les gants, évidemment, il faut arriver à s'y retrouver sur les 3 boutons qu'il y a. Voilà. Alors, petit verdict sur ce Cardo SHO1. Eh bien, tout d'abord, il faut s'habituer aux boutons, puisque vous avez 3 boutons différents, plus un ici avec
plus, moins, mais qui a aussi d'autres fonctions en dessous. Vous pouvez intégrer un numéro d'appel direct, la personne que vous appelez le plus souvent, par exemple. Donc il y a un petit mais, comme les boutons, forcément, il n'y en a que trois, plus le plus moins, eh bien, il va falloir retenir les différentes fonctions vous-même. Par exemple, si vous appuyez deux fois sur un bouton, ce n'est pas la même chose que vous appuyez trois fois. Trois fois, vous faites l'appel vers une personne. Deux fois, vous pourriez par exemple simplement faire un appel intercom. Entre un appel intercom et un appel GSM, forcément, le résultat n'est pas du tout le même. La fonction vocale, la même chose. Pour l'activer, il faut forcément appuyer sur le bon bouton. Avec des gros gants, c'est un petit peu difficile. Bon, il y a des petits plots entre les deux. Là, comme vous pouvez le voir, enfin, vous verrez en détail sur les photos. Il y a des petits plots ici entre les deux pour arriver à vous y retrouver. Malgré tout, il faut une certaine pratique pour pouvoir l'utiliser. Une fois qu'on arrive à le maîtriser un petit peu, ça fonctionne déjà nettement mieux. Alors, qualité du son. Bon, la radio, comme on vous le disait, forcément, ça dépend un petit peu de la région où on se trouve. C'est pas par rapport au casque, c'est simplement la radio. À l'heure actuelle, ça dépend un petit peu les régions. Vous avez sûrement la même chose en voiture. Ici, faute d'antenne, forcément, la réception est encore un petit peu moins bonne. Donc, nous avons passé quelques appels téléphoniques pour tester justement la qualité du GSM. Le micro ici n'est pas placé sur une perche. Pour un intégral, on peut simplement le mettre avec un fil. Donc, le micro est passé simplement à la mentonnière ici devant. Eh bien, on était assez bluffé de la qualité justement de cette conversation. Nous, nous entendions, enfin moi j'entendais très bien la personne qui me téléphonait, et la personne qui était au téléphone n'avait aussi aucun problème pour m'entendre et m'écouter. On avait un petit peu, enfin elle avait un petit peu l'impression simplement que c'était forcément un quitte-main libre, mais ça aurait très bien pu être le même quitte-main libre dans une voiture par exemple. Donc la personne au bout du fil n'entend pas forcément les bruits extérieur comme vous pouvez les entendre. Et je dirais heureusement, puisque c'était un petit peu un des points noirs de ce Shoei GTR. Sinon, pour le cardo, de ce côté-là, rien à dire, ça fonctionne bien. Il nous reste une chose encore à tester, mais ça, vous le verrez dans l'article complet qui sera sur le site, c'est la possibilité intercom et notamment l'appairage avec d'autres marques. Là, on va essayer de rencontrer d'autres motards qui eux aussi possèdent un intercom et qui vont se prêter au jeu avec nous, peut-être un de nos collègues ou un autre motard, voir un petit peu question intercom, ce que ça donne, si les 1,6 km sont plus ou moins respectés ou vraiment pas du tout. Ça, on va aller le tester. Pour le reste, un très bon intercom, si vous possédez un casque Shoei qui est compatible, il faut aller vérifier sur le site ou bien demander à votre dealer si c'est le cas. Pourquoi éventuellement aller investir dans un autre intercom qui lui va se placer à l'extérieur et créera forcément plus de turbulences sur votre casque? Vous avez ici un modèle très très bien intégré à votre casque et qui en plus remplit toutes les fonctions dont vous pourriez attendre d'un intercom. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com et à très bientôt pour de nouveaux essais. C'est pas bon.